La croisade contre l'enclavement de plusieurs milliers de communautés est lancée par l'État du Sénégal. La Banque africaine de développement et le PEP consolident les efforts du gouvernement qui a initié un important projet dénommé Projet Piste Communautaire en appui au Programme National de Développement Local PPC-PNDL. D'un coût de 50 milliards de francs CFA, le PPC-PNDL rayonnera sur 187 collectivités locales. Objectif, faciliter l'interconnectivité entre les communautés de base, garantir la mobilité des biens et des personnes et améliorer la croissance économique à travers la réalisation d'un linéaire de 1500 km de pistes rurales et l'entretien de 5000 km. Un important volet de renforcement des capacités des acteurs locaux sera mis en œuvre pour améliorer la gouvernance des pistes rurales. Le lancement de cet important projet aura lieu à l'hôtel Radisson ce lundi 25 août 2014 et sera co-présidé par les ministres Maître Oumar Youm de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire et Monsieur Mansour Eliman Khan des infrastructures du transport terrestre et du désenclavement, les PPC et PNDL, les pistes de l'émergence territoriale.